l'exposition sur la radio, CRGB, qui est devenue Chox FM, est située au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation à La Pocatière. Puis Chox FM, comme c'est un des plus anciennes radios rurales au Québec, c'est pourquoi on a voulu lui rendre hommage en faisant cette exposition. L'ouverture de CRGB à La Pocatière, c'est en 1938. Mais auparavant, il y avait eu du travail de fait parce que M. Gonzague Fortin, qui était vraiment un génie, c'était un agronome à l'ITA, il avait à cœur de la réussite. Donc, il avait créé un poste radio clandestin à l'époque. Et c'était pour les étudiants. Il donnait des cours aux étudiants à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait que ça a débouché. Et les fins de semaine, il mettait de la musique classique pour les gens en général. Mais comme il dérangeait les bateaux, il y a eu des plaintes. Et là, est arrivé les inspecteurs. Et quand ils ont vu son attirail, qui était vraiment avec des cannes de conserve et tout ça, ils lui ont demandé de démanteler, mais il n'y a pas eu d'amende. Et à partir de ça, a suivi, en 1938, la demande de fait pour qu'il y ait une radio à La Pocatière. Et c'est arrivé dans la même période que la guerre qui était l'année suivante. Donc, le permis a été obtenu assez rapidement par l'intermédiaire du ministre de l'époque, qui avait eu beaucoup d'aide. Et ça a permis de créer cette radio. Et ça a démarré en 1938. Et à partir de là, quand le poste a été créé, bien, il y a eu beaucoup d'émissions agricoles, beaucoup de liens avec Radio-Canada, beaucoup de... Mais c'était vraiment à la base ça. Et bien sûr, la guerre, l'information, puis tout ça au niveau de la guerre. Il est 6 heures du matin. Bon matin à l'antenne de CHB. OK. C'est le Glockenspiel dont on se servait pour annoncer les heures. Et ceci, 24 heures par jour pour annoncer les heures à CHB. Le but de l'exposition, ben, c'est d'inscrire dans la mémoire des gens ce qui a été important, puis ce qui peut le redevenir. Puis c'est une mémoire qu'on n'a pas dans des livres, parce que la radio a fait partie de notre patrimoine, ne serait-ce que le chapelet en famille, OK? Ne serait-ce que la messe. Il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été vedettes. Et la grande émission d'agriculture de Radio-Canada, OK, s'est faite à La Pocatière. OK? Puis elle a duré 25 ans au moins. OK? Puis c'est le réveil rural. Il est présentement 21h à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Voici maintenant vos informations locales du 25 avril 1947 avec Philémon Desrochers. Comme vous le savez, l'activité économique est en plein essor depuis la fin de la guerre. Le magasin général et la ferronnerie ont reçu une importante livraison de belles marchandises, la plus grosse depuis la guerre. Mesdames les ménagères, des tissus imprimés et des bobines de fil de couleur vous attendent. Messieurs, des clous de toute grosseur, des scies, des marteaux et des haches de qualité vous attendent également. Voici maintenant une histoire inusitée. Le troupeau de vaches de M. Adélard Deschênes a été retrouvé à plus de 5 000 de chez lui, sur le deuxième rang. Il semblerait qu'un individu malfaisant aurait intentionnellement ouvert la porte de l'enclos pour libérer les vaches. La plupart des vaches ont été retrouvées et ramenées à leur propriétaire, mais il en manque 4. Si vous les apercevez, prière d'aviser M. Deschênes. Le ou les malfaiteurs sont recherchés. J'espère qu'on aura un potin prochainement et qu'on va trouver le ou les malfaiteurs ainsi que les vaches manquantes. Hein? Enfin, les dames de Sainte-Anne préparent le mois de Marie et sont à la recherche de bénévoles pour décorer l'église du village. Le cercle des fermières, quant à lui, tiendra sa réunion ce mercredi à la salle paroissiale.
C'était vos informations locales. C'est maintenant l'heure pour vous, mesdames, d'aller coucher les enfants. Je vous jouerai une berceuse pour les endormir. Bien, l'idée de la conception, c'est le... Au départ, on voulait vraiment recréer un studio. On avait un handicap majeur, c'est que tout avait brûlé. Il y a eu un feu, la station, le studio et toute la collection merveilleuse de disques a disparu en fumée. Donc, on est obligé de faire appel à tous. On a fait des annonces à la radio pour demander. Et on a eu des choses, des bouts d'émissions qui avaient été enregistrés, souvent la soirée canadienne, parce que c'était vraiment populaire. On avait certains objets, pas beaucoup, certains objets. Moi, j'avais des objets personnels qui appartenaient, bien, que j'avais acheté de CAGB à l'époque. Des micros, entre autres, des choses comme ça. On a pu travailler avec ça. M. Gosselin, qui a été quelqu'un de, qui est une encyclopédie vivante, qui nous fournissait les listes d'annonceurs et tout ça. Mais le studio comme tel, il n'est pas fidèle à l'année 38, parce qu'on ne pouvait pas trouver les choses. Mais on a regroupé les années. Donc, quand on voit le studio, on revoit comme à une époque. On revoit l'époque des bobines, on revoit l'époque des cassettes, comme des cassettes 8 tracks, là. Puis après ça, est arrivé le CD et, bien sûr, aujourd'hui, le numérique. On voulait présenter le studio, OK, puis recréer un studio d'enregistrement, recréer les temps forts des émissions, recréer les palmarès, parce que ça a été important, le palmarès. Dans les années 60, là, tout le monde suivait le palmarès. Okay? Tout le monde savait la chanson. Alors, comme en 1964, Petula Clark, dans le temps, tout le monde savait ça. Et puis, les éphémérides, des extraits d'émissions. Okay? On peut entendre des extraits d'émissions. Et puis... les actualités du temps. Monsieur Fortin, vous êtes quelqu'un de bien connu ici à Sainte-Anne et même dans la province parce que on connaît votre contribution aux émissions du Réveil rural, entre autres, par exemple. Je vais me rappeler. Maintenant, Monsieur Fortin, quelle est votre occupation à l'école d'agriculture? Je suis professeur depuis déjà 35 ans. 35 ans, vous avez été là? J'ai eu de l'arbre de l'arbre. Ainsi se termine la 30e heure pilote, en provenance de la faculté d'agriculture et coordonnée par le département de journalisme. On collaborait à CAGB, Maurice Lévesque au contrôle et Clément Landry au micro. Les causeries ont été enregistrées par M. Louis Gonzague Fortin, responsable du programme. À dimanche prochain, même poste, même heure. Et d'ici là, bonne semaine. Et à la gloire de la vie rurale. Ça m'a toujours attiré, la radio, là, tu sais, la technique. Et j'étais près de cette station-là. Je trouvais que M. Frève, à l'époque, qui a été le dernier propriétaire de cette station-là, avait ce génie-là de faire les choses, de développer. Il était visionnaire dans son affaire, parce qu'il avait développé la notion de réseau, par exemple, puis il y avait beaucoup de choses, entre autres, quand ils ont inauguré le bateau de Rivière-du-Loup, le Trans-Saint-Laurent, ben c'était lui qui avait été engagé pour, parce que l'émission devait se faire en direct. Et il était le seul à avoir la technique pour le faire. Donc, c'était ça avant-gardiste comme façon de faire. Oh! Nouvelle de dernière minute. On me dit à l'instant que les vaches viennent d'être retrouvées et remises à leur propriétaire. Quant aux malfaiteurs, des enfants qui jouaient dans le coin auraient ouvert la barrière pour voir les vaches de plus près et auraient oublié de la refermer en se sauvant ayant aperçu un gros taureau furieux dans l'enclos voisin. Oh, tout est bien qui finit bien, hein? Veuillez noter aussi qu'une visite aura lieu pour les nouveaux étudiants le 1er mai à 8h le matin pour la prochaine année scolaire à l'École d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Prière d'apporter votre preuve de baptême pour l'inscription.
Il y aura aussi des agronomes sur place et une visite des lieux. Comme mentionné, nous terminons avec une berceuse de nos grands-mères, Dor Dor Tibubi Amema, vieille comme le monde, hein, que je vais vous jouer au violon. Et n'oubliez pas demain matin votre émission de la première heure, hein, le réveil rural. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'était Philémon Desrochers aux informations locales. L'héritage, c'est l'histoire que ça laisse. Ça, on est un pays qui n'est pas vieux, hein, donc l'histoire, on a tendance à la mettre derrière. Dans le fond, c'est de souvenir de cette histoire-là, qu'il y a des gens qui ont passé, qui ont été visionnaires. C'est vraiment visionnaire d'avoir une radio à cette époque-là, là, dans une petite ville. Je ne sais pas comment il y avait à l'époque de population, mais c'était pas gros. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que CAGB, c'était la quatrième radio au Québec. Tu avais CKC, Radio-Canada, CHRC, c'était nous. Donc, c'était pour les... Aujourd'hui, on se dit, ça se peut pas, là, tu sais, c'est facile, mais à l'époque, c'était quelque chose de compliqué. Juste transmettre les ondes, les antennes et tout ça, c'était complexe. Là. C'était vraiment complexe. Moi, ce que je retiens, c'est que le musée a quelque chose qui rappelle son coin. C'est aux gens à venir le voir. À 8h15, nous aurons les nouvelles régionales et sûrement que nous pourrons en savoir plus long au sujet d'un incendie qui ravage depuis très tôt ce matin le Martinet du Haut-de-Sainte-Anne. Il faut savoir d'où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on va. Et, ben, c'est en partie ça. Okay? L'héritage pour le futur, ça va être de savoir ce qu'on a acquis. Parce que c'est un acquis. Okay? Puis on part d'un acquis pour bâtir ou construire des choses nouvelles. C'est vraiment un bijou de La Pocatière, parce que La Pocatière, 1938, la naissance de CAGB, c'est déjà plus de 80 ans d'histoire de radiodiffusion dans la région. Il n'y a pas beaucoup de régions qui ont ça au Québec, des régions rurales. Les grands changements, 1989 à 1999. Le 23 avril 1992, à 7h05, CAGBAM 1310 devient CHOX-FM 97,5.